Et yo, 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 c'est SIFOOR, ce Rap City avec je sais plus le français. Vie, Congo, Braza, Kin, Afrique, Cameroun, on dit quoi? Oui, Yoda m'a dit de pas envier. La patience, ma première vertu, jamais l'oublier. Virer la moitié d'un ami, l'autre partie peut te faire couler. Ami de Judas, regarde, Jésus a fini cloué. Loué sur son sacrifice. Quand on meurt, on part nu sans nos artifices. Fils, fils, fais face à tout ce qui te fascine. La faiblesse face au vice t'envoie au suicide comme Adolf Hitler. Adolf vite, vite la voix du savoir. Apprends que l'amour, la haine sont collés comme des bébés siamois. Soumis tu seras si tes sentiments tu surestimes. Cible sensible, tu seras marqué à vie à la cible. Ok, donc merci d'être branché sur Rap City, sur DRTV International, il n'y a pas de problème, on est ensemble, comme tous les samedis sur DRTV International. Je voulais parler de cet artiste depuis le début de cette émission. L'artiste s'appelle Sifor, aujourd'hui en exclusivité sur Rap City. Vous l'aviez demandé, il est là rien que pour vous, on l'a chopé. Juste après cette interview, il a donc une autre interview dans une chaîne de radio, en tel nom. Mais Sifor, bienvenue sur Rap City. Bonjour Chefi, bonjour le Congo, bonjour Braza, bonjour l'Afrique. Ouais. Et bonjour aussi le Cameroun, d'où tu viens? Bien sûr, bonjour le Cameroun, bonjour Douala, bonjour Yaoundé, bonjour tous les alentours du pays. Ouais. Voilà, bonjour, c'est Sifor pour Rap City. Ok, il n'y a pas trop loin, je donne l'exclusivité. Donc un petit bref aperçu du début de ta carrière. Donc Sifor, je donne en 2012. Tu t'es lancé dans le rap précisément en quelle année? Précisément, je me suis lancé dans le rap il y a 2 ans. Mais je rappe, j'écris depuis 99, depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, il faut savoir, j'ai 24 ans. Ouais. Voilà, depuis 99, j'écris, j'ai commencé au Kenya. Ok. Et donc aujourd'hui, musicalement, artistiquement, quelles sont tes influences? C'est le rap français, c'est le rap carré, c'est la musique du Cameroun, c'est la musique du Congo. Quelles sont tes influences musicales si fort? Voilà, donc alors, en termes de musique, ouais. Parce que c'est important de le préciser, en termes de musique, moi j'ai commencé à écouter du Makossa. C'est-à-dire Makossa, un Africain, comme tout bon blédard, on écoute de la musique, d'abord, on commence par la musique de chez nous. Ouais, c'est clair. Voilà, donc j'ai commencé à écouter du Makossa, et voilà. Et après maintenant, en termes de rap, j'ai beaucoup écouté de rap français, ouais. Tout en m'inspirant et tout en m'imprégnant l'état d'esprit américain. Ouais. Voilà, donc pour le rap américain, vraiment je suis très très fan de Nas. Ouais. Très très fan de Nas parce que j'aime sa façon de il a du respect pour la plume, ouais. Et pour le message qu'il transmet à son public. Il faut le dire, c'est l'un des grands de toute une génération confondue, il faut le dire. Mais il revient avec un nouveau single si je me trompe pas. Et donc à part Nas, il y a d'autres figures emblématiques du rap carré ou du rap français? Dans le rap français, j'ai beaucoup aimé l'époque du secteur A. Ouais. Tout ce qui est donc Arsenic, Passy, Ministère Amer, Doc Génico. Donc l'époque aussi de Lunatic, donc Mauvais Oeil, ouais. Grand album, ouais. Donc voilà, vraiment l'année d'or, Bustaflex, D6, Secteur A, tout ça, bref, la première classe, ouais. Vraiment c'est la période où le rap français m'a vraiment fait kiffer. Okay. Voilà. Il n'y a pas de souci, aujourd'hui Sifor c'est notre invité en exclusivité, on va mettre un accent sur l'actualité parce que nous on aime bien l'actualité. C'est ta mixtape que tu as sorti, ça fait déjà quelques mois, précisément au mois de février si je ne me trompe pas, le 27 février. Et donc parle un peu de ta mixtape, pourquoi le retour du Phoenix, pourquoi le choix de ce titre qui fait peur? On va dire que quand j'étais avec donc mon ancien label, ouais. une fois que j'ai arrêté de travailler, ouais. Avec eux, il y a eu un petit chamboulement dans ma carrière, ouais. Parce qu'en fait c'était vraiment le moment où je commençais à vouloir me lancer en solo, ouais. Et donc vous imaginez, quand vous voulez vous lancer, vous tombez dans une phase où vous retrouvez à recommencer les choses, ouais. Au point zéro, ouais. Donc à ce moment-là effectivement je me suis dit bon, j'ai des morceaux de côté, ouais. Pour marquer le coup, je vais appeler cette mixtape Fils du Phénix, parce qu'un phénix ne meurt jamais. Ouais. Un phénix, il renaît. De ses cendres et ses rangs, pour montrer que là, ce n'est que le début. Donc ça veut dire qu'avec toi, avec le talent artistique que tu as, il n'y a pas de limite, illimité, on peut le dire comme ça. T'es un phénix, t'es illimité. J'ai pas la prétention de dire que je suis illimité, mais je crois beaucoup en moi. Okay, je crois beaucoup en moi, je crois beaucoup en ce que j'ai. Ouais. Et c'est le message que je passe à tous les Africains. Ouais. C'est-à-dire, on a beaucoup de talent en Afrique. Ouais. C'est très très important, ouais, de croire en soi, ouais. Et de croire à ce qu'on a. Ouais, okay. C'est vraiment très important. Ok, Sifor est là aujourd'hui en exclusivité sur Rap City. Et donc, le Fils du Phoenix mixtape, il y a eu des collaborations dans la mixtape. Et combien de collaborations déjà? Il y a eu une seule collaboration, okay. Avec mon ami d'enfance, ouais. Black Kent, ouais. Que vous connaissez. Ouais. Et
Voilà, le titre s'appelle Future King. Ouais. Très grand morceau, je vous invite à le découvrir. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre ton dernier clip que moi j'apprécie personnellement déjà. Mais juste avant ça, quel est le message précis que C4 passe dans son album, dans sa mixtape? Comme j'ai dit, le message précis que j'envoie, c'est vraiment la croyance en soi. La croyance à se mettre dans la tête que tout le monde peut réussir. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. D'où le message même dans l'œil de Judas où je dis qu'on vit, on pense à la thune, tout comme Armstrong en rêve de toucher la lune. On en veut, mais n'en vit jamais, jamais ami du diable, jamais dans l'œil du traître, jamais dans l'œil de Judas. Le but du jeu, c'est vraiment croyant en vous, mais sans envier. Ouais. Toujours se regarder sur sa voie. Ouais. Pas regarder à gauche, pas regarder à droite. Regarder ce qu'on a. Ok. Franchement, des messages très profonds. C'est Ciné C4 qui est notre invité. Donc on suit l'œil de Judas en exclusivité. Juste après le clip, on va en parler. Hein. Tout à fait. Ok, son exclusivité, c'est sur Rap City, sur DRTV International. L'œil de Judas avec C4, notre invité. Et à tout à l'heure, la famille. À tout à l'heure. Jamais ami du diable, jamais dans l'œil du trait, jamais dans l'œil de Judas. On pense à la thune, tout comme Armstrong, on rêve de toucher la lumière. On en veut, mais n'en vit jamais. Jamais ami du diable, jamais dans l'œil du trait, jamais dans l'œil du jeu. Je rêve en euro, un héros Naruto en New Era. Corps pété par des punchlines, t'en perds tes neurones. Je suis si fort, Armstrong sur la Luna. Géant parmi les grands, je les vois petits comme Cap des Luna. De la ligne et des Saiyans, ça y est, maintenant tu sais qu'il faut que je m'asseye. Sur le trône, comptant les billets crachés par la SACEM. J'ai mes convictions, fuck les on-dit. Amer, je fais la guerre pour avoir la paix comme Gandhi. Mourir vaut mieux qu'un homme lambda. Et si échec y a comme Luther King, t'en sors grandi. Les lâches se taisent quand les moutons bêlent. Les vrais le savent, plus la lutte est dure, plus la victoire est belle. Ok, donc Rap City continue sur DRTV International, pas de problème, C4 c'est notre invité en exclusivité sur DRTV International. Et gros clin d'œil au docteur de la SAP Mamadou Gueye, excellent week-end à toi. On n'oublie pas de saluer le grand frère ici à Paris, à Bax Moussa. Donc C4 est là aujourd'hui en exclusivité. T'es prochainement peut-être en live à Brazzaville et à Kinshasa, y'a pas de problème, on va négocier ça avec toute son équipe. Ok C4, félicitations pour le clip, hein, le de Judas. Merci. Très gros clip. Hein. Merci. Et merci. Donc déjà ce clip t'as pris combien de temps pour le réaliser le clip? Ben, en fait, ça nous a pris, on va dire, 2 jours de tournage. 2 jours de tournage, oui. 2 jours de tournage vers Bercy. Ouais. C'était vraiment très intéressant. On s'est vraiment bien organisé avec mon label 76 Music. Ouais. À savoir aujourd'hui que j'appartiens à un label, ouais. 76 Music. Et vous pouvez retrouver, c'est très important de le dire, vous pouvez retrouver la mixtape sur le site 76 Music, donc www.76music.fr. Okay. Voilà. Ok, et donc on va décortiquer l'album, donc à part l'œil de Judas. Et donc, quelle est la chanson que tu vas mettre en avant? Quelle est la chanson que tu aimes le plus encore? Parce que tu as du mal, les artistes font du mal à choisir leur propre chanson. Mais donc, à part l'œil de Judas, qui a un message très profond, et quel est le morceau que tu préfères le plus ou que tu peux demander aux auditeurs, aux téléspectateurs de suivre attentivement? D'accord. Alors, déjà, à part l'œil de Judas, il y a deux titres qui me tiennent vraiment à cœur, ouais, ouais. Dont un que j'ai fait avec beaucoup d'amour, ouais. Beaucoup de fun. Donc il y a un titre qui s'appelle Luther King avec une plume, ouais. qui est toujours dans la continuité du message, ouais. C'est-à-dire dans le message je dis, ça sert, et j'explique bien à mon public, ouais. Qu'il est inutile de courir après les gens si on n'est même pas conscient de ce qu'on a. Qui m'aime me suit, je suis Luther King avec une plume. Ne cours pas après les gens pendant qu'ils courent après des jantes chromées. T'es à la grappe, t'as les effets d'une groupie cramée. Ne sois pas bon qu'à tirer des trolleys, livrer des colis. Car en vrai, tu n'es qu'un pion de Monopoly. Marche la tête haute, fais-toi identifier. Quitte à garder le gun tous les jours comme si c'était ta carte d'identité. DTR sont un leader par ta destinée. Et la foi de Moïse, héroïque, aspire au fait historique. Yeah, un vrai missile, homicide. Mon arrivée vieillit ton style, je pourrais même voir sa calvitie. Et yo, fais pas de chichi, négro t'es has-been. Tu crois que je suis ouf, normal, j'écris mes textes en asile. Corporate tugging, que des real niggas. Tu parles mais ne pète que le score sur Brick Breakers. Criminel au MIC, MC, killer, dealer. Que ce fut leur dernière heure de gloire dans ma playlist. Le but du jeu, casser des briques, hein. Tetris, coupe les coupes-gorges, Terminator, hein. T'es je rappe pas pour tes couilles. Fuck you, pay me. Je pisse sur ta meuf et fais des tubes. R. Kelly. C4, S-I-F-O-R, sur Rap City. Blah.